au niveau de votre magazine, on fait santé, mesdames et messieurs, vous faites bien de nous choisir à l'heure de votre émission santé. Aujourd'hui dans Info Santé, il sera question de l'insuffisance cardiaque. L'insuffisance cardiaque, qu'est-ce que c'est? Quelles sont les causes de l'insuffisance cardiaque, les conséquences et quel régime adapté à cette maladie? Nous en parlons avec notre invité du jour. Il s'agit du docteur Pauline Damiba. Elle est cardiologue de profession. Docteur, bonsoir et merci de me faire honneur de votre présence. Merci, monsieur Yébouch. Voilà. L'insuffisance cardiaque, je l'annonçais tantôt, c'est un mal dont souffrent beaucoup de personnes à travers le monde. Et d'ailleurs, selon l'OMS, elle reste l'une des premières causes de mortalité dans le monde. Et donc, on s'est dit, il s'avérait nécessaire d'en parler afin d'amener les gens à adopter un régime ou un mode de vie qui ne les conduirait pas à avoir cette maladie. D'ailleurs, d'entrée de jeu, je commence par vous demander. Alors, docteur, dites-nous, qu'est-ce que l'insuffisance cardiaque? Merci. Avant de définir l'insuffisance cardiaque, je tiens à revenir sur quelques notions du cœur. Et le cœur, c'est le moteur de l'organisme. C'est le cœur qui distribue le sang à l'ensemble de l'organisme, c'est-à-dire savoir le cerveau, les reins, les membres. Et ça agit comme une pompe et à travers de façon rythmique. Et quand on parle d'insuffisance cardiaque, c'est lorsque le cœur devient défaillant, il n'arrive plus à propulser le sang aux autres organes. C'est tout ça qu'on appelle insuffisance cardiaque. Et quelles sont les causes de l'insuffisance cardiaque, donc? Les causes de l'insuffisance cardiaque sont multiples et il faut signifier que l'insuffisance cardiaque peut survenir à tout âge. Et chez l'enfant et comme chez l'adulte. Chez l'enfant, nous avons ce qu'on appelle les causes les plus fréquentes, nous avons les cardiopathies congénitales. C'est ce qu'on appelle les malformations qui touchent le cœur déjà dès la naissance. Et si ces malformations ne sont pas diagnostiquées tôt ou prises en charge tôt, cela peut évoluer vers une insuffisance cardiaque. Et chez les adultes, comme cause, nous avons tout d'abord l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle, selon l'OMS, c'est l'élévation anormale de la pression artérielle sanguine supérieure ou égale à 140 mm de mercure et ou la pression artérielle diastolique supérieure ou égale à 90 mm de mercure chez un adulte ayant plus de 18 ans. Et nous avons également le diabète qui est l'élévation de la glycémie, ce qu'on appelle couramment l'élévation du taux de sucre dans le sang. Nous avons aussi, il y a certaines personnes qui ont une ou plusieurs artères qui ont été bouchées, ça se traduit par des douleurs thoraciques, des douleurs à la poitrine. Voilà. Une fois que la prise en charge n'a pas été faite, cela peut évoluer vers une insuffisance cardiaque. Nous avons aussi l'atteinte des valves cardiaques. Ce qu'on appelle les valves cardiaques, ce sont les portes qui permettent au sang de rentrer et de sortir. Voilà. Une fois qu'on opère par le patient évoluera plus tard, il n'aura plus tard une insuffisance cardiaque. Nous avons également les causes toxiques, c'est-à-dire l'alcool, les drogues, qui sont vraiment toxiques pour le cœur et puis s'entraînent des gros cœurs plus tard. Et également, nous avons les infections qui peuvent toucher le cœur, comme le VIH et le COVID. Voilà. Et quand un traitement n'est pas fait à temps, quelles peuvent être les conséquences sur le sujet malade? Quand le traitement n'est pas fait à temps, cela peut évoluer vers les complications. Le patient peut avoir des troubles du rythme qui peuvent survenir, c'est-à-dire le cœur qui bat de façon très rapide, de façon désordonnée, mais ça peut être ordonné. Ou soit le cœur peut battre lentement, ou soit les complications thromboemboliques. Les complications thromboemboliques, c'est vu que le cœur bat de façon désordonnée, cela entraîne la formation des cailloux qui bouchent les vaisseaux sanguins et peut entraîner des AVC. Et aussi la mort subite qui est vraiment dramatique à ce stade. Ça peut subvenir à tous les stades de l'insuffisance cardiaque. Voilà. Votre développement m'amène à vous poser cette question. Est-ce que le fait d'avoir des difficultés respiratoires peut-il être un signe d'insuffisance cardiaque? Oui, le fait d'avoir des difficultés respiratoires peut être un signe d'insuffisance cardiaque.
Et en général, même c'est le premier symptôme qui doit alerter le patient. Voilà, parce qu'au début de la maladie, le patient est essoufflé quand il fait des petits efforts. Et à un stade avancé, même étant au repos ou étant couché, il n'arrive pas à respirer, il est étouffé. Donc il est obligé de mettre plusieurs oreillers pour pouvoir dormir confortablement. Alors la maladie existe-t-elle sous différentes formes, lesquelles? La maladie existe sous différentes formes. Nous avons l'insuffisance cardiaque qui peut être gauche. Ça se manifeste par l'essoufflement, voilà, cliniquement. Et en plus de ça, ça se manifeste aussi par une toux. Voilà, la toux est souvent nocturne. Et c'est en général une toux qui est grasse. Voilà. Et nous avons aussi l'insuffisance cardiaque droite qui se manifeste par les œdèmes d'amande inférieure. C'est ce qu'on appelle le gonflement des pieds. Ensuite, on peut avoir aussi le gonflement du ventre. Et parfois, chez certains patients, on a une enflure du visage. Le visage est tout fou. Voilà. Et quelle est la tranche d'âge la plus exposée à la maladie? La tranche d'âge la plus exposée, comme je l'avais dit plus haut, l'insuffisance cardiaque peut se donner à tous les âges. De l'enfant, de la naissance au troisième âge. Voilà. La tranche d'âge est comprise, la plus touchée, elle est comprise entre 50 et 65 ans. Au Togo, est-ce que la maladie existe-t-elle vraiment, est-elle fréquente? Au Togo, la maladie existe vraiment et elle est fréquente. Et elle représente à peu près 17% de la prévalence ici au Togo. Et c'est vrai que 17% pour certaines personnes, ce serait peu, mais en tout cas, elle est vraiment importante. Je donne un exemple. Et supposons, au cours d'une consultation de 1000 personnes, on dit aussi que 170 personnes ayant une insuffisance cardiaque. C'est quand même alarmant, c'est un chiffre vraiment important. Il est vraiment important de sensibiliser la population. Et les stades d'évolution de la maladie Les stades d'évolution de la maladie, d'abord, au début, dès que la maladie se manifeste, elle évolue plus tard vers ce qu'on appelle l'insuffisance cardiaque chronique. Après, le patient est exposé à plein de complications. Il peut avoir des troubles du rythme. Les troubles du rythme, c'est lorsque le cœur bat de façon très, très, très rapide, soit régulière ou soit irrégulière et de façon irrégulière, ou soit le cœur bat très, très, très lentement. Et dans d'autres cas, il peut avoir des complications thromboemboliques. C'est-à-dire, vu que le cœur bat de façon désordonnée, il y a la formation des petits cailloux qui vont boucher les vaisseaux du cœur et entraîner plus tard des AVC. Et à un stade avancé, on peut avoir aussi la mort subite qui peut survenir à tous les stades de la maladie. Alors, quand et à quel moment faut-il consulter un médecin ou un docteur? Il faut consulter un médecin dès qu'on ressent les symptômes qu'on avait cités plus haut. Dès que le patient est essoufflé, dès qu'il constate que les pieds sont enflés, le ventre a augmenté de volume, voilà, ou bien soit le visage s'est enflé, ou bien soit lorsqu'il ressent des palpitations, c'est lorsque le cœur bat très 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 fort, ou soit lorsqu'il tousse, il ne comprend pas, la toile du rire. Il est important que le patient aille consulter le médecin. Alors, docteur, nous parlons de l'une des phases les plus importantes, la phase de traitement. Comment se déroule le traitement? Le traitement, dans un premier temps, on a ce qu'on appelle les mesures hygiénodiététiques. Et pour les mesures hygiénodiététiques, c'est ce que nous recommandons au patient. L'alimentation, il faut qu'il mange moins salé, qu'il mange moins sucré, moins gras, qu'il évite l'alcool et le tabac. Et dans un deuxième temps, on a le traitement de la cause. Il y a certaines maladies du cœur qui peuvent se soigner, comme les cardiopathies congénitales, qu'on peut opérer. Les atteintes des valves du cœur, dont on a parlé, qui sont les fenêtres du cœur, qu'on peut opérer, c'est ce qu'on appelle le remplacement valvulaire. Ou soit lorsque une ou plusieurs artères du cœur sont bouchées, il faut aller les déboucher. Voilà. Et nous avons les traitements médicamenteux, c'est-à-dire les produits pour les patients peignent. Et ça, il faut signifier, il faut vraiment insister sur ça, c'est un traitement à vie. C'est un traitement à vie, on ne soigne pas, on ne guérit pas de l'insuffisance cardiaque. Voilà. Et il y a plusieurs personnes qui se plaignent, qui se disent, docteur, j'ai beaucoup de produits.
on ne sélectionne pas les produits. Il est impératif que le patient prenne tous les produits, car les produits agissent de façon spécifique. Ce sont des produits qui sont vraiment importants et dont le but, hein, c'est de stabiliser la maladie. C'est d'améliorer la qualité de vie du patient, de prévenir les complications, d'éviter les hospitalisations à répétition. Et aussi, il faut dire, on a également à un stade avancé de la maladie, voilà, en cas d'insuffisance cardiaque sévère, on propose ce qu'on appelle la greffe cardiaque. Voilà, la greffe cardiaque, en tout cas, ne se fait pas ici, mais sur d'autres cieux en Occident, ça se fait. Et il y a aussi la réadaptation cardiaque qui est important dans le traitement, qui est vraiment fondamental. Parce que c'est à travers la réadaptation cardiaque que le patient arrive à retrouver ses capacités physiques. Oui. Voilà. Il arrive à retrouver ses capacités physiques, à mener une vie aussi proche de la normale, à reprendre ses activités dans la vie professionnelle et sociale. Vous venez de le dire, on ne guérit pas de l'insuffisance cardiaque. C'est fort ça. Ça décourage en même temps les personnes atteintes de la maladie. Mais d'un côté, je vous dis aussi, est-ce qu'il y a, comme les tradithérapeutes le proposent souvent, les tradithérapeutes proposent des solutions qui amènent à une guérison totale. Est-ce que vous croyez à cela? Je ne crois pas vraiment à cela. Je ne crois pas vraiment à cela. Pourquoi? Parce que tout d'abord, pour pouvoir traiter la maladie, il faut connaître la physiopathologie de la maladie. Les médicaments que les patients utilisent, c'est pour ça agir de façon spécifique, c'est pour différentes modes d'action en fait. Voilà. Par exemple, je ne vais pas citer tous les médicaments, mais je cite déjà un médicament, c'est-à-dire les diurétiques, vu que il y a une accumulation de liquide dans l'organisme, les diurétiques permettent d'éliminer l'excès d'eau et de sodium dans le sang. D'accord? Ce qui est contraire à ce que les tradispaticiens font. Propose, voilà. Je ne suis pas, ce n'est pas un débat conflictuel, mais voilà. Alors, y a-t-il des limitations d'activité physique que vous interdisez ou recommandez plutôt aux personnes souffrant d'ici? Oui, il y a plusieurs activités physiques, mais par contre, nous déconseillons les activités physiques très intenses. Puisque le cœur est déjà malade, le cœur est fragile, voilà, nous recommandons plutôt de mener des activités physiques légères, la marche rapide, la natation, le vélo. Et dans ce cadre aussi, la réadaptation cardiaque aussi intervient. Puisque c'est ça qui permet aux patients de reprendre confiance en soi, de mener ces activités progressivement. Alors, quelle est l'espérance de vie d'une personne souffrant d'ici? Il faut dire que le principe de l'insuffisance cardiaque est un peu préservé. Moyens de prévention de l'insuffisance cardiaque, quels sont ces moyens de prévention? Les moyens de prévention de l'insuffisance cardiaque, tout d'abord, c'est d'éviter les facteurs de risque cardiovasculaire, qui sont d'abord l'hypertension artérielle, le diabète, le tabac. Et ces trois facteurs de risque cardiovasculaire sont pourvoyeurs d'entraîner plus tard une insuffisance cardiaque. Donc tout d'abord, c'est de lutter vraiment contre ces facteurs de risque cardiovasculaire. Est-ce que les faux médicaments peuvent-ils également être un facteur de risque? Ça dépend. Il y a certains médicaments qui sont toxiques pour le cœur et peuvent entraîner des cardiopathies, des atteintes du cœur, des maladies du cœur. Alors, nous parlons de l'alimentation des apaisants des personnes souffrant d'insuffisance cardiaque. Quelle alimentation adaptée pour un patient souffrant d'insuffisance cardiaque? Pour les patients souffrant d'insuffisance cardiaque, tout d'abord, nous avons des restrictions. C'est-à-dire, comme j'avais déjà cité plus haut, manger moins salé, moins gras, moins sucré, éviter les viandes rouges. Voilà. Et nous conseillons aux patients de manger équilibré, c'est-à-dire de manger les légumes et de manger de privilégier les volailles et les poissons. Et aussi d'éviter les boîtes de conserve, parce que les boîtes de conserve sont vraiment sales. Voilà. Et le facteur de risque chez l'homme est-il le même que chez la femme? Non, le facteur de risque chez l'homme n'est pas pareil chez la femme. Mais à partir d'un certain âge, quand la femme prend de l'âge, à partir de l'âge de 55 ans, 60 ans, la femme est exposée, elle revient, elle a les mêmes facteurs de risque que l'homme.
Mais avant cette tâche, la femme est protégée vu qu'elle a des oestrogènes. Ok. Donc les oestrogènes, comme vous les appelez, sont des... sont une sorte de protection. Sont une forme de protection, oui, pour les femmes. Alors, docteur, si vous avez peut-être un conseil à donner à quelqu'un qui vous suit actuellement, ce serait quoi par rapport aux IC? Par rapport aux IC, aux insuffisances cardiaques. Les conseils que je pourrais donner, c'est-à-dire, une fois que les personnes ressentent les symptômes, il faut toujours aller consulter un médecin. Le médecin, là où vous irez consulter, le médecin pourra vous orienter. Si c'est en tout cas une cause cardiaque, le médecin pourra vous orienter vers un cardiologue pour une prise en charge adéquate. Une autre question, peut-être rapidement, le diabète peut-il également être un facteur de risque? Le diabète est un facteur de risque cardiovasculaire. Et je vais citer également les causes de l'insuffisance cardiaque. Oui. En fait, le diabète peut entraîner plein de problèmes au cœur. Ça peut donner ce que j'ai appelé crise cardiaque, ce sont les cardiopathies ischémiques. Ça peut aussi donner ce qu'on appelle gros cœur. Eh bien, mesdames et messieurs, nous sommes presque arrivés au terme de notre émission du jour. Mais nous allons nous retourner vers notre invité pour qu'elle nous dise peut-être un mot de fin pour clore cette émission. Comme mot de fin, je peux dire que l'insuffisance cardiaque, c'est une pathologie qui est chronique, mais qui est vraiment méconnue de la population. C'est pour ça qu'il est important à ce que la population reconnaisse les symptômes qui pourront les amener à aller consulter un médecin afin de prévenir les complications plus tard. Voilà, adopter les bonnes manières pour éviter d'être victime d'insuffisance cardiaque, mesdames et messieurs. C'est sur ces mots que nous mettons fin à notre émission de ce jour. Mais si vous avez été nombreux à nous suivre, nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro. À plus et portez-vous bien.